Après assassinat Vivre Ensemble fin fait sauter américain dans la coupe pays d'Haïti, ambassadeur américain dans la coupe pays fâché, il était doublé. Et même rivé by deux ultimatums à Koué Gangyo qui pratiquement prend le soin. Donc abstimer la terre chaque jour plus. Messieurs, a fait connaître. Vivre Ensemble gagne le choix. C'est soit yo d'accord à la prison déposer les armes ou dit monsieur, mesdames, mademoiselles et messieurs, à la grand cimetière, jeune baron, ou bien pour mourir. Bagay ça a pratiquement tellement énervé les États-Unis d'Amérique. Et mais tout début semaine là, c'est pas des matériels qui ont pour Bibitik, déjà, il y a 4 hélicoptères qui entrent là. Plusieurs soldats commencent à placer dans des zones stratégiques pour qu'on ait l'air pour te répondre à Vivre Ensemble. Qui côté pour frapper pour faire au mal? Juste à me poser une question. Pour qui ça c'est après les deux Américains au fin de mourir, toute motivation ça a fait? Pour qui ça c'est Kounia? Tout le monde senti que bon bagay qui nous est fait. C'est Kounia me senti bon bagay qui pourrait être fait actuellement dans le pays d'Haïti. Et bien, entre temps, on a profité de bon information ça. Si vous n'avez pas l'argent pour faire marcher, faire marcher. Si vous n'avez pas l'argent pour prendre contribution de quelques petits bagages la caillou, mettre dans la caillou, tant pis pour petit enfer. Parce que dans le jour pour aller venir là, le moment ça capable très noir. Je vais expliquer dans le détail. Je vais faire attendre l'ambassadeur qui a décrit une situation extrêmement difficile. Haïti a vivre, même les États-Unis d'Amérique a traversé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, tant de mieux, ça m'a expliqué là. La police nationale d'Haïti à travers. Unité anti-gang. Donc, unité à travers unité anti-gang qui c'est UTAG. Mais finalement, mené opération jeudi 28 mai 2024 là, dans fief Toro, pour innocent vite l'homme là. Mais surtout, opération ça qui a finalement mené dans zone peignée. Et bien, pendant l'opération, la police nationale d'Haïti voyait plusieurs grenades à jeune baron. Même genre, la police rivée saisie, yon zoriken, Toyota Land Cruiser qui écrit UVD. Donc, qui pratiquement, c'est Toyota Gang, village de Dieu, t'as utilisé, et puis vous voyez, éviter l'homme. Adieu, qui a évité l'homme qui est en jouant une machine ça, pour machine ça, traverser toute route ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pour venir jouer, éviter l'homme, côté la police, mes frères et sœurs amis, qui côté, donc, toute négligence passé, et puis juste tellement, il y a des contrées, fait tout bail ça. Wow! Bonjour, bonsoir pour nous tout le temps, comment nous est-ce que nous est-ce que tout le monde en forme? Nous pour des détails, nous pour pile information qui domine l'actualité. Préparez-vous, nous partons. Ici, le channel interactif Wendy 609. Juste un clic et vous aurez accès à tout ce qui domine l'actualité. Soyez toujours avec nous pour être toujours mieux informé. Wendy 609, notre passion, vous informer autrement. Mais c'est dans la société, dans le moment où on a parlé à la bagarre, elle est 4 fois plus compliquée. Bagarre a vraiment paraît en main. Nous avons le choix pour nous porter information bah ou n'importe qui. Ambassadeur américain Denis Hankins, monsieur qui pratiquement a réagi sur notre émission jeudi, eh bien, monsieur a nervé, liboudé, à cause que des Américains perdu la vie, nos situations extrêmement difficiles. Pablo, c'est deux Timoun qui étaient pratiquement mettés campés, ont orphelinat dans la petite zone de Salon de Bora. Lisons, je crois. Et bien finalement, monsieur est entré, il a tué. C'est Eve, monsieur, dans Vivre Ensemble, sous l'autre Jimmy Cherizé, alias Barbecue Mauvais Grain, mal pour honte, sans vergogne. Et bien monsieur Damsao, qui pratiquement perdu la vie, à cause de décision ça, ambassadeur américain a parlé. Monsieur a fait connaître, quelle que soit façon, n'est-ce qu'il y a seulement deux choix. N'est-ce qu'il y a pour y aller dans le cimetière ou dimanche que pour y aller dans la prison. C'est déclaration ça, ambassadeur américain. Donc, monsieur Lee a lagué aujourd'hui pendant que l'État réagit donc, dans l'émission à Métropole. Monsieur dit que donc, dans ce qui a deux missionnaires américains qui mourent, c'est bagay qui fait au mal en pile. Ça a action ça qui passe dans une maison, dans pleine du culte de Sakla. Mais Denis Hankins, lui croit que justice pral joindre Mounzayo, quel que soit côté justice là, yo pral pral. Ça va me sabtar, mais dis-nous, mademoiselle, c'est son logique, ma femme, oui. Bandi yo même. Est-ce que y a prison pour mettre bandi? Nan ki prison pour mettre bandi? Est-ce que pas nèg yo commence opération là, y a marché écraser prison? Vite l'homme répond moi. Est-ce que c'est pas nous même là qui mettons ensemble n'a marché écraser tout petit poste? Est-ce que quand c'est Maozo, l'ambon sans jour dou commande? Donc est-ce que c'est même qui pratiquement écraser commissariat quoi des bouquets? Prison quoi des bouquets? Est-ce que c'est pas nèg yo écraser prison aussi et pénitencier? Est-ce que nous pas écraser toute prison? Dans qui prison on va mettre nous là? Si nous sommes intelligents, pour qui ça ne va commencer? Nous va commencer à faire adieu nous. Mesdames, mademoiselles et messieurs, la police nationale d'Haïti
bral commencer mettre bagaille dans mes yeux bral qui t'entend les ambassadeurs mais il est important pour me partager information ça à vous même dans moment n'a parlé à là vite l'homme gain vin la caïni c'est pas des bandits pas tomber jodi hein des bon paquet bal pour ton paquet d'effets ils sont paquet mauvais graines qui notamment retrouvé aux mesdames mademoiselles et messieurs donc des retrouvé au dans nos petits postes avant entrer dans tête peignia et ben dans peignia 17 la police entrée dans fief sao ni débarquer cartouche li mettez bagaille dans la vie et ben dans moment que m'a parler comme même là mes frères et sœurs amis la police pas décidé par monsieur sao vague à nous retourner dans dossier qui bien important bien que la police saisit une machine pour iso mais en aller en attendre ambassadeur américain donc Denis Hankins qui pratiquement qu'il faut dit monsieur pas un problème nous mettre préparer nous l'amour va arriver jeune nous va gagner bagaille dans nous quel que soit façon hein, quel que soit l'heure donc n'a pas petit bagaille dans nous. D'abord, permettez que je vous présente mes sympathies suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. Je veux faire allusion à l'assassinat des Américains en pleine. Vous avez appris cette nouvelle très tard, vendredi dernier? Oui, non, c'est quelque chose de très triste pour la communauté américaine. Je dois noter que soit le gouvernement, soit de société civile, il y avait plusieurs expressions de condoléances de peuple haïtien. Mais vraiment, c'est les gens américains qui ont dédié leur vie pour les Haïtiens, pour aider les Haïtiens. C'est triste que c'est les membres de gang qui ont décidé de tuer ces gens qui travaillent pour les Haïtiens. Je suis sûr, et nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. Mme Gagnon allait ou bien en prison ou bien dans un pays sans chapeau. Au moment de l'événement, est-ce que personne n'a appelé l'ambassade à l'aide? C'est le fait et c'est la raison pour laquelle nous avons cette annonce pour dire aux citoyens américains de quitter. Oui, il n'y avait pas de moyens, ni du gouvernement, ni de l'ambassade, d'aider au moment. Nous sommes engagés maintenant avec les familles pour le retour des restes humains de ces deux jeunes, jeune couple de missionnaires, avec l'assistance même des entreprises haïtiennes, du gouvernement haïtien. Mais c'est le fait que, pour le moment, il n'y a pas de moyens du côté du gouvernement ni du gouvernement américain d'aider dans ce type de situation. C'est la raison pour laquelle nous voyons cette mission mission d'appui de sécurité. C'est essentiel pour renforcer la capacité du gouvernement haïtien de répondre à ce type de situation. Il y a l'ambassadeur. Le sénateur républicain du Missouri, John Hawley, qui prétend que l'ambassade américaine en Haïti aurait refusé d'apporter de l'aide au couple qui était en danger. C'est déjà une question de notre capacité. C'était dans une zone contrôlée par les gangs. Alors notre capacité, nous n'avons pas une armée ici, nous n'avons pas des forces spéciales ici. Il n'y avait pas de cette capacité et même la capacité de police nationale dans cette région s'est limitée. Mm-hmm. Alors c'est triste, mais c'est la réalité que dans la situation actuelle, il n'y a pas assez d'effectifs de police nationale, des forces de sécurité, de réagir en tous les points de Port-au-Prince. Même la force qui s'appelle FAST n'avait pas la capacité qu'il fallait pour intervenir. Hors de l'ambassade, non. Il y a des gens qui sont là pour protéger l'ambassade comme telle, mais nous n'avons pas de capacité de faire des missions hors de l'ambassade. Oh, mais même si on est demandé, ou encore si le gouvernement haïtien vous demande d'intervenir, si vous avez l'autorisation, vous n'allez pas pouvoir... Nous n'avons pas de capacité. OK. Maintenant, parlons autre chose. Nous allons parler de cette note de l'ambassade américaine relative au choix d'un premier ministre. Ouais. Vous avez dit dans la note, monsieur l'ambassadeur, que le prochain premier ministre doit être quelqu'un
ayant la capacité technique, ça doit soit se faire en toute transparence. Et quand vous dites, toujours dans la note, que vous êtes impatient, qu'est-ce que vous voulez dire? Première fois, c'est de noter, alors j'ai commencé en disant, en saluer le gouvernement de transition, le conseil de transition présidentielle, pour le fait que, même après un mois, maintenant, ils sont en train de faire des grandes décisions, ils sont en train de choisir un premier ministre, après nous avons la priorité de choisir le chef de comité électoral provisoire. Je pense que, bon, et même le gouvernement a dit que c'est pendant le week-end, il y aura une décision. C'est déjà fin de week-end et sans décision. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a assez de priorités pour le gouvernement et pour le peuple haïtien. Par le fait de comment était construit ce conseil avec 7 membres, ça veut dire que les décisions, ils prennent du temps. Nous pouvons comprendre. Parce que toutes les questions doivent être décidées par au minimum 5 membres de 7, et ça prend de temps. Mais je pense que pour avancer dans les autres priorités, il faut avoir une premier ministre. L'essentiel, et je sais qu'ils ont commencé avec presque 200, peut-être plus que 200 candidats. Et parmi 200, évidemment, il faut avoir une vingtaine qui a déjà une histoire et un résumé assez technique pour montrer qu'ils ont la capacité de gérer un gouvernement. Nous espérons que la décision soit faite dans le conseil, sans l'influence des autres, particulièrement sans l'influence des gens qui veulent influer les décisions. Chaque membre, ils ont une certaine responsabilité. Même si la communauté internationale a dit qu'il n'y a pas de transition dans une transition, mais il paraît que les États-Unis misent beaucoup sur cette transition. Oui, vous êtes déjà dans transition 2.0, dans le sens qu'il y a une deuxième transition. Mais nous espérons que maintenant, avec ce modèle, il y a toutes les tendances, ou la plupart des tendances. C'est difficile d'imaginer qu'un seul parti peut contrôler le processus. Et ça donne plus de chances d'avoir un gouvernement qui est neutre, d'avoir des élections qui sont crédibles, parce que toutes les grandes décisions doivent être faites par débat, par décision commune. C'est pas facile, mais pour moi, alors, si vous avez une présidente avec 7 têtes, tous les 7 têtes doivent avoir la capacité de parler. Et si on coupe 3 têtes, toutes les têtes vont mourir. Alors, c'est nécessaire de maintenir cette unité qui n'est pas simple. Mais je pense que c'est un modèle bien, une solution haïtienne pour la situation haïtienne, pour assurer qu'il y aura au minimum un consensus, un grand consensus sur toutes les grandes questions qui sont nécessaires pour cette transition. Est-ce que les États-Unis soutiennent un candidat au poste de Premier ministre? Absolument non. C'est pour le système de faire le choix. Nous avons parlé d'un perfil, alors quelqu'un qui a une capacité technique, qui a la capacité de gérer une situation assez difficile, quelqu'un qui n'a pas une grande connexion avec une partie, une coalition ou une autre, qui peut gérer le gouvernement dans un sens neutre pour tous les défis qui sont devant ce gouvernement. Je ne vous apprends rien, monsieur l'ambassadeur. Il y a des Haïtiens qui pensent que vous supportez un candidat. Et vous diriez quoi à ces Haïtiens? Je pense qu'il y aura toujours cette tendance que les États-Unis, c'est en dehors de chaque décision. Mais vraiment, nous sommes ici en faveur du système, en faveur d'un processus bien haïtien. C'est vrai que nous avons aidé avec le processus de cette transition pendant les négociations avec CARICOM, avec le départ de l'ancien premier ministre. Nous étions toujours en contact, mais c'était toujours dans le sens d'aider les partis haïtiens de trouver les solutions entre eux. C'est pas d'imposer
en décision, en solution pour les Haïtiens. Donc, vous parlez de Ariel Henry, l'ancien Premier ministre. Oui. Mais vous savez, Monsieur l'ambassadeur, les Haïtiens ne savent pas jusque-là ce qui s'est passé exactement. L'ancien Premier ministre se rendait en République dominicaine. Il a dû rebrousser chemin et finalement, il est en Californie. Ouais. Mais on n'a pas de détails sur ce qui s'est passé. On ne sait pas non plus à quel niveau vous êtes impliqué dans votre pays. Toujours, parce qu'à un moment donné, c'était clair qu'il n'y avait pas de possibilité de retourner. Il y avait cette nécessité pour les Haïtiens de trouver un autre modèle et nous étions là. Avec les autres partenaires, avec les pays de Caraïbes, d'aider les Haïtiens à trouver une solution. Je vois qu'il y a toujours un certain manque des informations de côté des Haïtiens. Même dans la situation actuelle, nous espérons dans les semaines prochaines, le conseil présidentiel aura une porte-parole parce que même ces jours, ce n'est pas clair quelles sont les décisions du conseil, quelles sont les idées de chaque membre du conseil. Et évidemment, chaque membre, ils ont le droit de parler de leurs entrées, mais il faut avoir aussi un système pour être sûr que ici, c'est une décision de conseil qu'on conseil, et de parler avec la population et c'est aussi avec les forces, les leaders de sécurité, les membres du gouvernement. Quand il y a un nouveau premier ministre, je pense que cette question de dialogue avec la population, c'est nécessaire. S'il y aura des élections d'ici 20 mois, nous espérons qu'il y aura plus que 20% participer. Et pour participer, les Haïtiens doivent avoir une certaine confiance du système, en confiance dans le gouvernement. Est-ce que les États-Unis sont seulement engagés dans la logistique de la mission multinationale? Il y a plusieurs autres pays qui sont déjà engagés. Bien sûr, il y a les pays qui ont déjà fait l'offre. Alors, c'est Kenya, c'est Jamaïque, Belize, autres pays qui ont déjà fait une décision de participer. Ce que nous avons fait est de prendre charge de création de bases logistiques. Et ça, c'est fini maintenant à l'aéroport. Nous étions aussi très actifs avec la réouverture de l'autre. Et pourquoi on remet à 3 semaines le déploiement de la force si la base est déjà prête? Bon, il y avait cette délégation du gouvernement du Kenya qui était ici, même pendant la visite de leur président à Washington. Alors pour les Kenyans, c'était de voir est-ce que vraiment il y a des logistiques en place. Il reste toujours, alors avant le déploiement de 2500, nous sommes en train de parler avec d'autres pays de trouver des équipements qui sont nécessaires. Nous espérons, et c'est prévu que maintenant il y aura le déploiement des premiers Kenyans avec les ressources qui sont présentes maintenant. Et je pense maintenant c'est plus une question d'organiser l'aviation et tout ça. Mais pour le long terme, il faut avoir plus d'équipements. Nous sommes en train d'identifier dans les ressources américaines, mais parler avec plusieurs autres pays, de donner les fonds aux fonds communs de l'ONU ou de donner des équipements, puisque tous les pays qui veulent participer peuvent avoir des équipements nécessaires. En même temps, il y a une deuxième priorité, c'est toujours de renforcer la capacité de police nationale. Vous avez vu, on a déjà donné pendant les dernières semaines des blindés pour la police nationale. Il y a autre équipement parce que le président Biden a autorisé les ressources du gouvernement américain qui sont en surplus pour aider soit la police, même en certaines conditions, l'armée nationale, aussi avec le MSS. Donc maintenant, les États-Unis reconnaissent l'existence de l'armée d'Haïti. Bon, c'était toujours reconnu, c'est toujours, mais il y a des limites dans notre législation. Alors, selon notre congrès, nous sommes empêchés de donner assistance des armes aux polices nationales. C'est un débat parce que nous voyons, par exemple, maintenant, c'est le garde national de l'armée nationale qui est en charge de sécurité de l'aéroport. Ils ont renforcé la sécurité des ports. Nous savons qu'ils sont là, bien sûr.
Mais pour le moment, nous sommes très limités avec notre capacité. Il y a des autres pays, je sais que Mexique, par exemple, a une forte collaboration avec l'armée nationale, que nous n'avons pas de problème avec le fait qu'il y a des autres pays qui font une assistance directe à l'armée nationale. La réunion qui a eu lieu la semaine dernière entre le président Biden et le président Ruto témoigne en quelque sorte, si besoin était, de l'engagement de votre pays pour Haïti. Mais les gens continuent à se poser certaines questions, à savoir, Haïti est le voisin immédiat des États-Unis. On est seulement à environ 2